David, merci d'être là. On a passé 2 journées de pêche sur le lac du Sauté avec Dorian et Thomas et bon, on a bien apprécié le cadre, la pêche. Et voilà, c'est un lac particulier. Du coup, est-ce que tu pourrais te présenter pour savoir les travaux que tu as fait sur ce lac en particulier? Alors moi, je suis David Doussand, j'occupe un poste de chargé de mission au sein de la Fédération de pêche des Hautes-Alpes. Mmh. Alors sur le lac du Sauté, on n'est pas vraiment chez nous, hein. Voilà, on partage ce territoire avec la Fédération de pêche de l'Isère. Mais comme nous avons beaucoup travaillé sur la partie du Drac, donc le Drac qui est la rivière qui se jette dans le Sauté, et notamment sur tout ce qui concerne la franchissabilité des ouvrages, mm-hmm. voilà, refaire des passes à poissons, etc., on a été sollicité par EDF pour travailler justement sur ce phénomène de migration de la truite lacustre du lac du Sauté. Qu'est-ce qui différencie vraiment la truite lacustre des autres espèces de truites? Alors la truite lacustre et la truite de rivière, c'est une seule et même espèce. Voilà, donc d'un point de vue biologique, mm-hmm. d'un point de vue génétique, il n'y a absolument aucune différence. Voilà. Ce qui va différencier voilà, le type lacustre, le type lacustre du type rivière, c'est vraiment une problématique de comportement. Voilà. On a certains poissons qui, à un moment donné de leur vie, vont consacrer du temps à un lac, mm-hmm. vont grossir de manière exponentielle. Hein. Voilà, ils sont dans un lac, donc ils n'ont presque plus besoin de nager. Ils vont s'alimenter non pas dans des eaux très froides de petits insectes, mais dans des eaux un peu plus chaudes de poissons. Mm-hmm. Donc leur croissance va vraiment être décuplée. Et donc leur livrée, leur morphologie va profondément changer. Et on va avoir affaire à un type lacustre. Mm-hmm. Voilà. Mais ce poisson, à un moment donné, pour se reproduire, il va quand même nécessiter de remonter en rivière. Voilà. C'est toujours un poisson de rivière. Voilà. Il est né en rivière, il va aller se reproduire en rivière. Voilà. Et donc on a des gros poissons. Alors on a des poissons, nous les poissons les plus petits qui ont commencé leur migration, c'était les poissons au-dessus de 35 cm. En dessous de 35 cm, lorsqu'on a opéré nos poissons, on s'est aperçu que c'était des poissons stériles. Voilà, enfin, pas stériles, c'est pas le bon terme, c'était des poissons qui n'étaient pas matures. Voilà, c'était des poissons immatures. 35 cm dans le lac, c'était des poissons immatures. Alors 35 cm en rivière, on a des poissons qui en sont déjà adultes et qui ont peut-être 4, 5, 6 ans, voilà, facilement. Voilà. Dans le lac, ben, c'était des poissons qui en fait ont subi une croissance importante. C'est des poissons qui avaient peut-être 1 ou 2 ans. Voilà. Et à partir de 35 cm, on a commencé à trouver des poissons susceptibles de se reproduire. Le plus gros poisson qu'on a pu capturer dans le lac approchait les 80 cm. Voilà, hein. Donc c'est ça le lac, hein, voilà. ce qui fait l'intérêt de ces lacs de montagne, c'est de bénéficier d'énormément de poissons qui proviennent de la rivière, qui vont atteindre des croissances phénoménales dans le lac, chose que ne vont pas forcément faire en rivière en eau froide, hein, voilà. Et ensuite qui vont remonter dans le lac sur lequel voilà, les pêcheurs vont pouvoir un peu se faire un plaisir. Et ce qui est assez particulier aussi à voir, c'est que quand le poisson est né en rivière, il va passer 1, 2, jusqu'à 3 années en rivière. Et ensuite il va subir ce qu'on appelle une dévalaison, hein. Voilà, ça se passe régulièrement dans nos cours d'eau. Et lorsque le poisson va arriver dans le lac, du Sauté, pendant quelques jours, il va vraiment changer de couleur. D'accord. Voilà. Donc souvent, il est vraiment dans la zone de confluence. Et on commence à trouver des poissons qui ont complètement changé de livrée, de robe. Ils sont blancs, ils commencent à prendre ces écailles un peu argentées, hein, un peu les smolts, voilà. Ça, c'est vraiment marqué. Et il y a toujours les points rouges dessous. Et les points rouges, pendant plusieurs mois, on les voit. Voilà, ils sont toujours là, jusqu'à un moment, ils disparaissent. Voilà. En fait, ils sont toujours là. Voilà, ils ont juste perdu leur coloris. D'accord. Voilà, ils deviennent plutôt noirs. Je ne sais pas si vous avez vu ces gros poissons que l'on peut voir ont une livrée vraiment argentée avec des croix, c'est même plus des points, c'est des croix noires. Et un élément vraiment caractéristique de ces truites lacustres, c'est vraiment la queue, quoi. Ils ont une très grosse queue plate. Voilà, nous, à chaque fois qu'on voit ces poissons, même en hiver sur le Drac, on arrive à reconnaître voilà, un poisson qui a séjourné à un moment donné dans la retenue. Dans le lac, ouais, parce que ce poisson qui avait une livrée argentée dans le lac, eh bien, lorsqu'on va le retrouver dans la rivière, il va reprendre son coloris, il va reprendre ses marbrures, il va reprendre ses points rouges en partie, et il y a véritablement que sur ses nageoires, et notamment la caudale, qu'on va arriver à le différencier. Voilà. Et donc c'est vraiment, vous voyez, une adaptation, voilà, à un moment donné, à son milieu. D'accord. Et pourquoi ces poissons, ils ont la nécessité de remonter dans les affluents, comme le Drac, et pas rester simplement dans la retenue? Alors ces poissons sont des poissons donc, de rivière, voilà, on est vraiment de la truite commune, la truite de rivière, et toutes les truites que l'on va retrouver dans le lac du Sauté, à un moment donné, elles étaient en rivière.
Voilà. Leurs parents se sont reproduits en rivière, ont donné des alevins qui, par des valaisons, et par des valaisons, ces poissons se sont retrouvés dans le lac. Mais la reproduction de ces poissons dans le lac, elle est totalement impossible. D'accord. Voilà. On n'a pas aujourd'hui de truite chez nous, alors notre truite Fario, il n'y a pas de reproduction du tout en rivière, en lac. C'est vraiment impossible. Voilà. On va le retrouver en rivière. De temps en temps, sur certains lacs d'altitude, on peut avoir, vous savez, ce qu'on appelle un émissaire, c'est-à-dire une petite rivière, une petite annexe hydraulique qui est connectée au lac. Et même dans ces conditions, voilà, la reproduction elle se fait dans ce petit émissaire. Voilà, mais vraiment jamais dans le lac. Voilà, il n'y a pas l'oxygénation suffisante, il n'y a pas la température suffisante. Il y a surtout aussi un colmatage important qui ne permet pas aux œufs de se développer. D'accord. Et je dirais même qu'on n'a jamais observé de comportement de frais d'une truite, lacustre ou pas, dans un lac. Donc il y a vraiment la nécessité, pour boucler le cycle, que ces poissons qui sont nés en rivière, eh bien, ils retournent en rivière. D'accord. Voilà. C'est vraiment indispensable. Et de toute façon, c'est vraiment inscrit dans leur comportement. Quoi, voilà. À un moment donné, lorsque ces poissons sont adultes, il va y avoir un comportement migratoire qui va être généré. Et ces poissons vont donc franchir tous les obstacles pour aller se reproduire en rivière. C'est vraiment, vraiment une obligation pour la pérennité des espèces. D'accord. En quoi précisément consistaient vos travaux? Qu'est-ce que vous alors, c'est vrai que techniquement, nous avons fait appel déjà à un bureau d'études vraiment spécialisé dans ce qu'on appelle la télémétrie. D'accord. Voilà. Alors, travailler sur les migrations, on sait faire. Voilà, là, on a quand même travaillé sur des poissons qui pouvaient vivre en lac et qui étaient susceptibles de faire plusieurs kilomètres. Donc, il a fallu les équiper de balises. D'accord. Des balises. Je crois que j'en ai une. Il m'en reste une. Une petite balise GPS? Ouais, alors c'est à la fois alors une balise qui fait batterie, et c'est pas véritablement un GPS. Il a fallu installer au niveau du seuil du sauté. D'accord. Donc c'est un seuil qui est infranchissable encore pour les truites. Il a fallu équiper ce seuil d'antenne. Mm-hmm. Voilà. Et ensuite nous avons pêché. Alors soit à la ligne, soit au filet. D'accord. Des truites lacustres dans la retenue, et nous les avons équipées de balises. Voilà. D'accord. Ce type de balise. Alors ça, c'est la plus petite. Il y a des balises qui sont beaucoup plus grosses. Et en fait, ces balises sont identifiées par un chiffre. Mm-hmm. Voilà, donc chaque poisson est individualisé. Mm-hmm. Pendant 2 ou 3 ans, on va pouvoir suivre en fait tous les passages au niveau des antennes. D'accord. Donc à chaque fois qu'un poisson va vouloir sortir du lac et monter sur le drac, eh bien, il va être détecté. D'accord. Voilà. Et donc c'était ça le travail. D'ailleurs, la plus grosse difficulté, ça a été d'attraper un grand nombre, un échantillon représentatif. D'accord. Voilà, en truite lacustre. Donc trouver des gros poissons, vous avez vu, les balises sont grosses, donc il ouais. a fallu qu'on marque voilà, des gros poissons. Gros poissons aussi pour être sûr et certain d'avoir des poissons adultes. Les plus jeunes, en fait, restent dans la retenue. Ils n'ont pas du tout de comportement migratoire, donc on les aurait marqués pour rien. Voilà. Et ça demandait quand même un peu de technicité, quoi. Voilà, des opérations chirurgicales, endormir le poisson. Donc on avait vraiment, vraiment beaucoup de... Alors on s'est formé, nous, à faire le marquage, et ensuite avoir beaucoup de matériel pour pouvoir installer ces balises. Ces balises. Et que les poissons puissent partir avec dans de bonnes conditions, surtout. D'accord. Voilà. On a pu marquer un peu moins de 30 poissons. 30 poissons. Voilà. Non sans mal, on a mis quand même 3 années pour récupérer ces poissons-là. Ouais. On a commencé à pêcher au filet. Ça s'est avéré assez compliqué de prendre des poissons dans de bonnes conditions au filet. Mmh. Voilà. Et ensuite, on a continué donc à la ligne et on a invité sur le lac des pêcheurs à la traîne. Donc la pêche à la traîne, c'est une technique qui n'est pas utilisée normalement sur ce lac. On a eu une dérogation préfectorale pour pouvoir le réaliser. D'accord. Et par contre, ça marchait relativement bien. Quoi. D'accord. Voilà. D'accord. D'accord. C'était assez efficace. Le poisson, il est capturé dans de bonnes conditions physiologiques. Quoi. Il ne souffre pas trop. On a pu le conserver. Ensuite, on a pu le marquer. Et pendant 3 ans, ensuite, on a marqué tous ces poissons. D'accord. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que le secteur qui nous intéresse sur le lac du Sauté, c'était véritablement... la confluence avec le Drac. Voilà. Avec le Drac. À la confluence avec le Drac, il y a un pont qui s'appelle le pont du Loup. Voilà. Et dessous, on a un seuil, le seuil du pont du Loup, qui est en fait l'ancien barrage d'EF. Voilà. D'accord. Donc avant le barrage du Sauté, okay. il y avait le barrage voilà, qui était construit là-haut et qui est toujours présent mm-hmm. dans les gorges et qui constitue vraiment un infranchissable. D'accord. Donc les poissons, lorsqu'ils sont dans la retenue du Sauté, ils ne peuvent pas remonter dans le Drac. Sauf quelques semaines D'accord. par an, quand vraiment le lac il est au taquet, quand il est vraiment à sa cote maximale. Le niveau permet de voilà. façon de passer. Ouais. Voilà. Et il y a à peu près 1,50 m, 2 m de revanche au-dessus de ce seuil. Et là, à ce moment-là, le poisson peut sortir du lac et D'accord. éventuellement... voilà. Et donc, ce qu'on a voulu faire, nous, c'était savoir si, à quelle période, finalement, les poissons étaient attirés
par le DRAC, voilà, pour qu'ensuite on puisse négocier avec EDF le fait que ils essayent d'atteindre la cote maximale à la période où les poissons voulaient sortir. Mmh. Hein, voilà. Mmh. Donc c'est ça, parce que pour l'instant, la cote maximale, c'est une cote touristique. Mmh. Hein, elle est atteinte vraiment pour les touristes qui viennent sur le lac se baigner. En général, c'est jusqu'au 15 août à peu près. Mmh. Et 15 août, c'est un peu limite, quoi. Voilà, pour les poissons. D'ailleurs, c'est ce que nous ont montré les résultats. D'accord. Voilà, le 15 août, et ensuite le lac baisse, mmh, et le seuil devient infranchissable. Mmh. Voilà. Et c'est vraiment. Les poissons remontent sur une très courte période. Alors, il y a des pics d'activité. D'accord. Ouais, il y a des pics d'activité. Alors, justement, donc les résultats nous ont montré que les poissons étaient déjà attirés par l'arrivée d'eau du DRAC. Mmh. C'est-à-dire qu'en pleine saison estivale, même si le poisson ne remonte pas le seuil et ne remonte pas sur le DRAC pour se reproduire, il y a énormément de poissons qui allaient se balader sur le DRAC. Voilà. Comme quoi, le DRAC, avec peut-être les invertébrés, la température aussi, parce que c'est un lac qui est quand même relativement chaud, c'est-à-dire l'été, 20, 21, 22 degrés. Pour les truites, c'est pas génial. Hein. On n'est pas dans l'optimum, mais les truites sont quand même à des profondeurs beaucoup plus importantes, hein, moins 8, moins 10 mètres à peu près. Et donc, c'est un peu une barrière thermique, quoi. Vous voyez, c'est cette température. Et on a trouvé beaucoup de poissons, notamment le soir, qui naviguaient vers le DRAC, sûrement pour aller chercher de l'eau fraîche, quoi. Mmh. Tout simplement pour être dans de meilleures conditions. Donc ils ne franchissaient pas l'ouvrage, mais ils passaient leur journée un peu là-bas, peut-être aller aussi se nourrir. Voilà, c'était un milieu quand même un peu privilégié. D'accord. Donc ça, pratiquement, à partir du mois de juin. Voilà. Le lac monte, juin, juillet, août, voilà, on a des poissons qui se baladent là-bas, mais ils ne veulent pas franchir l'obstacle. Voilà. Et c'est vrai qu'à partir du mois de septembre, là, on commence à avoir des poissons qui franchissent l'obstacle, alors qu'ils vont le franchir peut-être 10 minutes dans la journée, alors là aussi peut-être juste pour aller sur le DRAC, hein, voilà. Et puis on a, parmi les 25 poissons donc, que nous avons marqués, il y a 4-5 individus qui, eux, sont remontés sur le DRAC pendant plusieurs mois. D'accord. Et que l'on a retrouvé quelques années après dans la retenue, quoi. D'accord. Voilà. Donc là, ces poissons, ils sont restés dans le DRAC plusieurs mois, alors sûrement pour se reproduire, mais pas que pour ça, quoi. Voilà, ils ont sûrement séjourné une partie du. Mmh. Et peut-être profité de la dévalaison, etc., pour ensuite revenir. À chaque fois, les poissons sont revenus dans la retenue, quoi. Mmh. Voilà. Alors, ce qui était surprenant aussi, c'est qu'on a des poissons qui ont franchi l'obstacle plusieurs fois, qui sont allés migrer et que l'on n'a plus revus. Voilà. Et puis on a des poissons qui ont franchi l'obstacle plusieurs fois, pas forcément pour se reproduire, voilà, et que l'on a retrouvé 2 ou 3 ans après, pratiquement, qui ont fait 20 km sur le DRAC, et que l'on a retrouvé, alors cette fois-ci pas grâce à nos émetteurs, mais parce que des pêcheurs les ont. Pêcheurs, voilà, il y a un pêcheur qui l'a attrapé et qui a retrouvé une sonde. Voilà. Et ce poisson donc l'avait fait 20 km. Et c'est un poisson qu'on avait, voilà, qui avait navigué donc pendant quelques années. On l'a marqué, je crois qu'il faisait à peu près une quarantaine de centimètres. 3 ans après, il dépassait les 50, voilà. Et alors que pendant 2 ou 3 ans, ben finalement, il était resté dans le lac, il n'avait pas manifesté son intérêt pour la reproduction. Ben quelques années plus tard, il a franchi l'ouvrage et on l'a retrouvé vraiment bien plus haut sur le DRAC, voilà. C'est les résultats auxquels vous vous attendiez ou... Alors, on s'attendait, nous, à avoir des migrations peut-être un peu plus tôt. Voilà, nous, avec l'expérience que nous avons sur le bassin versant de la Durance, d'accord, on pensait que fin août, déjà, c'était la période où les poissons commençaient à entamer leur migration. Là, on s'aperçoit qu'en fait, fin août, c'est vraiment très tôt. Vraiment, on a vraiment un début d'un pic migratoire à partir du mois de septembre, allez, jusqu'à mi-octobre. Voilà, on a vraiment là un pic migratoire. Mais on a toujours des individus qui bougent entre les deux, quoi. Alors il y a peut-être les opportunités, voilà. Donc c'est pour ça que quand on a présenté ces résultats à EDF, on leur a dit, ben, finalement, les poissons, peut-être qu'ils peuvent attendre. Voilà. On peut les stocker, ils peuvent très bien venir sous le barrage, on n'est pas obligé de leur ouvrir la porte tout de suite. Mais par contre, il faut absolument qu'il y ait au moins une semaine, oui, dans l'année, à partir du 15 septembre, où le lac soit haut et permettre cette migration. Quoi. Voilà, ça serait largement suffisant. Quoi. D'accord. Voilà. Et du coup, ces études, c'était pour peut-être ouvrir une discussion avec EDF, peut-être sur les niveaux du lac.
Alors, bien avant le fait de vouloir travailler sur le niveau du lac, on avait travaillé avec EDF pour voir s'ils ne pouvaient pas installer un ouvrage de franchissement. D'accord. Un ouvrage de type passe à poisson ou une modification du seuil qui aurait permis le franchissement. Et alors que nous avons eu beaucoup de velléité pour ça, on s'est aperçu quand même techniquement, lorsqu'on est allé sur place, que c'était très compliqué. C'est très compliqué déjà de faire une passe à poisson parce qu'il y a énormément de ce qu'on appelle de transport solide, le drac. Lorsqu'il est en crue, c'est de l'eau, mais c'est aussi beaucoup de gravier. Énormément, quoi. Voilà, en fait, une passe à poisson là-dedans, vous êtes sûr qu'elle sera comblée chaque année, quoi. Là, on est vraiment sur un étranglement dans des gorges. Et faire une passe là-dedans, voilà, on a bien compris nous-mêmes sur place que, voilà, même si on a insisté lourdement, il n'y avait pas la technique pour réaliser une passe à poisson. Et un aménagement aussi, une rampe en enrochement, quelque chose comme ça. Là aussi, on s'est aperçu que c'était relativement compliqué. Il y a un pont au-dessus, voilà, le seuil, le pont sont un peu, voilà, ont été construits un peu en même temps, et ça restait là aussi compliqué. Donc pourquoi pas un niveau d'eau, quoi, négocier un niveau d'eau. Et là aujourd'hui, il y a une réflexion au niveau d'EDF pour qu'à un moment donné, voilà, le niveau puisse être compatible avec le franchissement de l'ouvrage. Voilà. C'est pas très contraignant hein, pour EDF. Voilà. Il y a des périodes où quand le lac est bas, on leur demande d'avoir un lac haut. Ça aurait été franchement, ça aurait été très compliqué pour eux. Voilà. Mais là, ils sont presque au taquet finalement au 15 juillet, au 15 août. Voilà, on leur demande 15 septembre jusqu'au 15 octobre d'avoir un petit créneau. Voilà, ils nous ont presque garanti que, allez, une année sur deux, deux années sur trois, ils pourraient sûrement atteindre cette côte. Et que donc, à ce moment-là, il pourrait y avoir migration piscicole. Bien sûr. Voilà. Du coup, suite à ces études, on pourrait avoir une entente en fait pour permettre la migration des truites du lac. Tout à fait, ouais, tout à fait. Et puis en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est intéressé à cet ouvrage, mais comme je vous disais tout à l'heure, on s'est intéressé à tout le drac. Aujourd'hui, vous avez un poisson qui sort de la retenue du sauté, il va franchir l'ouvrage du pont du Loup, mais aujourd'hui, il peut remonter jusqu'à Saint-Bonnet, il y avait deux très grands ouvrages, il peut les franchir. D'accord. On a investi, avec le syndicat de rivière localement, là, la Cléda, a investi plus de 1 000 000 d'euros. D'accord. Pour restaurer le franchissement piscicole, voilà, et le transit des matériaux, mais surtout piscicole de ces deux seuils. Donc aujourd'hui, vous avez des poissons qui peuvent monter au-dessus de Saint-Bonnet. Et on a aussi encore un seuil qui est à Saint-Jean-Saint-Nicolas. Alors là, on est vraiment dans le Haut-Drac. Il y avait une prise d'eau agricole qui est aussi équipée d'une passe à poissons. Donc aujourd'hui, potentiellement, voilà, il y a vraiment un axe de migration qui a été dégagé sur tout l'axe du Drac pour permettre cette continuité écologique qui, sur nos rivières de montagne, est vraiment indispensable pour que nos poissons puissent se maintenir. Hein, voilà. Il y a des crues, on sait qu'il y a des fortes crues, il y a du charriage, il y a nous on appelle ça des aléas, vous voyez, des étiages sévères, des crues sévères. Et pour que le système y fonctionne, il faut que les poissons puissent circuler. D'accord. Voilà. Sur certains endroits, la population de poissons, elle a pris une crue, elle peut vraiment avoir souffert. C'est pas grave, elle peut se reconstituer par l'aval, elle peut se reconstituer par l'amont, et on a toujours des poissons dans une rivière. Voilà. Et donc ça, vraiment, il faut travailler sur la fonctionnalité. Et c'est vrai que sur le drac, ça s'est quand même relativement bien passé. Très bien. Écoutez, merci d'avoir répondu à nos questions. C'était très intéressant. Et on a aussi beaucoup apprécié découvrir ces milieux, le sauté, le drac, les Hautes-Alpes. Donc merci beaucoup. Et bonne continuation. Merci.